Salut, j'espère que vous allez bien, mais écoutez, moi ça va nickel, et aujourd'hui on se retrouve à nouveau sur FUT18. Comme vous pouvez le voir, j'ai un peu plus de 32 000 crédits, j'ai une assez bonne équipe Ligue 1, que vous pouvez voir actuellement, et j'ai un bon bilan, donc 20 victoires, 0 nul et 4 défaites, donc franchement c'est pas mal, et bon j'aurais pu avoir 0 défaites, hein, mais j'ai vraiment pas eu de chance, donc c'est pas mal. On va regarder tout de suite mon équipe Ligue 1, et c'est avec ça qu'on va jouer aujourd'hui. Sauf qu'on va pas mettre Pléa en buteur, évidemment, comme vous l'avez vu dans le titre. Ça sert à rien de faire du suspense. J'ai Alex Hunter, version PSG, évidemment. Vers la fin, on peut choisir entre, je crois, l'Atlético, le PSG ou le Bayern. Ça doit être ça. Et du coup, j'ai pris le PSG, hein, parce que j'avais déjà une équipe Ligue 1. Je me doutais qu'on allait finir dans le club qu'on choisirait là. Donc, je l'ai pris au PSG, évidemment. Au niveau des stats, ça va, il est potable. Mais je pensais qu'il serait mieux quand même, hein, mais bon, ça va, je vais pas me plaindre. 79 de vitesse, 76 de dribble, 78 de tir, 70 de passe, 73 de physique. Je suis un peu déçu qu'il ait pas 4 de gestes techniques, je l'attendais vraiment, ça aurait été bien dans tous les cas. Bon, en tout cas, on va le tester, hein. Comme vous pouvez le voir, je l'ai pas testé évidemment. J'ai acheté Traoré version OTW parce qu'il y a moyen qu'il ait quelques boosts cette année avec l'Olympique Lyonnais. Et franchement, ça serait bien, je l'ai payé pas cher, hein, 14 000 crédits à peu près. Et donc évidemment Alex Hunter en pointe, donc on va être parti en saison en ligne normale. Alors on va voir, il a quoi comme équipe lui? Il a une assez bonne, ouais il a une bonne équipe de Bundesliga, avec en prêt Aubameyang et Kagawa. Il y a du Campbell, du Wendel à gauche, du Jonathan Tah en défense centrale. C'est une pas mauvaise équipe de Bundesliga. En tout cas on va surtout essayer de faire marquer Hunter, hein, ça va être le principal sujet de cette vidéo. Ouais mais le problème, tu vois, je pouvais tirer de loin avec Fekir, mais je préférais faire marquer Hunter là. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà essayer juste de marquer, peu importe que ce soit avec une Hunter ou un autre. Et ensuite, on essaiera de faire marquer que Hunter. Non. Double poteau pour l'adversaire là. Un peu de chat, je l'avoue. Allez, ça passe avec Traoré, Fekir. Allez, Traoré. Mais non! Hunter pour Fekir! Mais tire! C'est pas possible. Allez, Hunter pour Pastore. Ça fait une passe D pour Hunter. Mais non, Pastore, c'est un croqueur. Oh, le gardien de merde! Ah, mais moi, je suis pas contre. Hein. Célébration de la casette. Et bon, on s'en fout, mais bon, c'est comme ça, je le dis quand même. Allez, maintenant, le but de cette vidéo, ça va être de faire marquer Hunter, évidemment. J'avais pas réussi quand j'avais fait ça sur FIFA 17, peut-être que là, je vais réussir. Bien sûr que je vais réussir. Très bonne frappe d'Alex Hunter en lucarne, et ça, c'est bien joué. Franchement, je suis assez content. 2-0, 29e minute. Et bon, bah, ce FIFA-là, pour l'instant, il me réussit plutôt bien. Non, bam, dégage, non, mais par contre... C'est contré par mon défenseur et puis ça fait but pour l'autre. Bah il est content, il fait Mathieu Dicharo. Ok, c'est pas mérité. Mais bon, c'est pas grave vu que là on va marquer de Fekir tout de suite. Là avec une passe décisive d'Hunter, oui. Non. Allez, Alex Hunter. Tu fais le crochet, il sait pas faire un crochet, d'accord. C'est con qu'il sache pas faire un crochet comme il faut, quoi, c'est tout. Elle est pas sortie. Raxler, on va centrer. Traoré pour Hunter. C'est bien joué, on combine bien. Allez, on va faire célébration de Griezmann pour son passeur avec Traoré. Ben, franchement, là, on est pas mal. On a bien combiné sur cette action. Un beau centre, belle passe en retrait pour Hunter. Et le troisième but, doublé d'Hunter. Donc, c'est la mi-temps. Au niveau des stats, je domine largement, que ce soit au nombre de tirs cadrés ou en possession, tout simplement. Donc, 3-1, c'est largement mérité. Et donc, on espère faire une aussi bonne deuxième mi-temps, que ce soit avec l'équipe ou bien avec Alex Hunter. Là, on défend bien pour l'instant, c'est pas mal. Allez, récupération de Pastore. Ça passe pour Pastore. Avec Hunter, peut-être le triplé. Bel arrêt de son gardien, c'est peut-être pas fini. Tête de Traoré, ça ira quand même sur les nœuds directement. Fabinho. Traoré, Hunter, on va frapper directement, on va marquer. Triplé d'Alex Hunter. C'est nickel, hein, pour une vidéo sur Alex Hunter, par exemple. Donc Alex Hunter sur fut, apparemment, il est pas mal cheaté. J'hésite maintenant du coup à remettre Pléa ou à laisser Hunter.
Il y a moyen que je laisse Hunter en fait, parce qu'il est bon. On a encore la balle avec... Putain, la grosse faute. Est-ce qu'on va la tenter d'Hunter? Est-ce qu'il a des bonnes stats en coup franc, Hunter? Dans le mode aventure, forcément, il avait des bonnes stats, puisqu'il avait 83 de général. 80 de précision coup franc. 79 de puissance, 74 d'effet, 85 de penalty. Bon, bah on va le tirer d'Hunter, c'est mon meilleur tireur en plus. Imaginez, on le met aussi. Quadruplé. Il a mis son joueur, mais il a l'air petit son joueur, donc on va le tenter. Direct. Transversal d'Hunter sur son coup franc. Hunter, pour Fekir, c'est bien joué. Le petit lob. Oh, juste à côté. Je suis deg. C'était magnifique. Allez, Traoré sur le côté droit. On va centrer du pied droit, c'est pas grave. Hein. Hunter. Eh oui. Donc quadruplé d'Alex Hunter, on est pas mal. Il y a un nouveau drip, je crois, sur ce FIFA, c'est celui-là. Que pour les ceux qui ont minimum 4 étoiles de gestes techniques. Je l'avais pas vu sur FIFA 17, donc je pense qu'il y était pas. Celui-là, là. En tout cas, on a la balle avec Hunter, là. On va la passer pour Pastore. Bon, on va faire une passe décisive, c'est déjà ça. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi il va du tout... Il fait des tout droits. Il fait des tout droits avec quelqu'un d'autre pour passer au Aubameyang. C'est l'inverse, normalement. C'est peut-être pas fini. Hunter avec Fekir. Allez, Fekir. Tu finis? Bien sûr que tu finis, Fekir. Ces deux, là, c'est nickel. On est pas mal. Enfin, on n'est pas mal. On est bien, c'est tout. Hunter, 10 de notes, évidemment. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. 7-2. 19 tirs à 6, 11 tirs cadrés à 3 et 54% de possession. La domination est écrasante. Et Alex Hunter, évidemment, qui finit homme du match. 4 buts pour lui, donc c'est franchement énorme hein, pour un match en ligne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur Alex Hunter sur FUTDIGIT vous aura plu. N'hésitez pas à bombarder cette barre de like. Et moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos sur FIFA. Ciao tout le monde. Living all the dreams, playing all the games, and getting high on love. They can chase us down.